Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Jeudi, pour nous venir parler de football. Côté que nous parlons parler de la sélection nationale UV1, nous allons parler tout des fédérations haïtiennes de football. Nous avons fait club, 11 clubs dans la première division déjà éligibles pour jouer le championnat national pour la première division selon ça que la fédération haïtienne de football fait sortir. Nous, on parle fond, on t'y parle sur ça. Qui sont encore deux qu'on est en sous au dossier ci là et tout nous pas le font tirer aller tout petit sous la sélection nationale et féminine mesdames yo nous pas le font parler sur ça qui ça passé qui ça qui fait pour qui ça c'est comme ça ça fait nous pas le font parler sur ça c'est pour la première fois Chanel là n'a pas dû qu'on parler uniquement des football haïtiens deux joueurs haïtiens qui ont volé partout dans mode là m'a commencer avec sélection nationale UV garçon yo je vais regarder sur image là. Ils ont commencé depuis le 4 que ont commencé, près de 12 à 13 jours que ont commencé à faire préparation dans la ville Coro, dans ville Colonne, que on t'a dit dans ville côté que yo a pas préparé yo sérieusement côté que équipe ça yo joué comme t'a dit dans Kiratero ou soit dans Itaque et Colonne côté que yo joué près de 3 matchs amical déjà. Yo fait pour marchant te bat 6 yo bat 4-0 yo bat 4-0 yo bat 2-1 yo fait 3 matchs yo fait plusieurs green goal pour pas dire n'importe 12 goal yo pour un green goal ça que nous doit retenir de ça sélection qui a préparé li yo gagne pour quitter ville que côté rien qui c'est Kiratero pour aller dans ville Irapato côté Irapato côté que yo pral là que quand des basé que yo pral jouer en compétition si là yo ta supposé quitter compétition quitter zone là le 19 jeudi à 18 16 yo ta dû quitter pour yo aller directement à destination des villes et côté que le 19 y a sous compte contre CACAF le compétition a même commencé depuis le 19 parce que le 18 fois que était là parce que le 19 a que compétition ça lui même l'a commencé mais Haïti lui même qu'a joué le 21 bagaille que nous même nous doué connait faut que équipe haïtienne ça lui même les goumen sérieusement pour capable sortir parmi 3-4 nations cap directement qualifié pour compétition si là bagaille qui pas aussi facile parce que qui pas aussi facile cap difficile mais qui pas impossible les que connaît ou deux travail les que connaît que font ta font rappel des groupes yo pour nous dire comme ça que dans groupe A gain Costa Rica gain Cuba gain Jamaïque qui États-Unis dans groupe B qui équipe Canada République Dominicaine Salvador Honduras et dans groupe ça qui groupe Haïti qui c'est groupe C Guatemala équipe ça qui c'est équipe Haïti Mexique et Panama et m'ka dit que deux premiers de chaque groupe yop qualifié pour gagner deux meilleurs troisième pour venir une équipe qui pour faire quart de finale yo et dans quart de finale l'équipe qualifié pour demi-finale directement a qualifié directement pour les affaires coupe du monde ça qu'a fait dans le pays Chili à partir de 2025 sélection nationale ça qui est amené par coach Angelo Jean-Baptiste et consorg y a travaillé sérieusement pour côté que yo gagne joueur qui c'est Wagner qui a entraîné qui a rejoint l'équipe là les 21 quelque pas gagne un joueur Jacques il dit dans déclaration yo les 21 que l'a rejoint yo gagne 50 joueurs qui a tombé pour cap la prêter avec 20 plus ce gain ça qui vient faire 21 joueurs pour faire pour jouer compétition si là et nous souhaitons monsieur yo déjà succès pour compétition si là n'a pas dit que compétition qui a commencé 19 et c'est Costa Rica qui a prouvé là avec équipe Cuba à partir de 7h vendredi et c'est à gros causer 7h et puis équipe États-Unis contre Jamaïque à 10h République Dominicaine samedi contre équipe Salvador à 7h Honduras contre équipe Canada à 10h Panama lui-même puis bonheur dans dimanche à partir de 6h contre Guatemala match football qu'on doit regarder avant et à partir de 9h06 match Haïti a commencé c'est Mexique contre Haïti c'est la cap clôture première journée ou soit première journée dans phase de groupe et deuxième journée qui va commencer dans lundi c'est comme ça ça peut aller pour dossier si là qui c'est dossier Coupe du monde U21 une sélection nationale que nous souhaiter qui joue une qualification
pour la Coupe du Monde, là, qui est vraiment intéressant et qui est vraiment important pour la sélection nationale pays d'Haïti, qui est important tout pour tout Haïtien qui aime le football. Pour t'en connecter en Koum qui aime Haïti, qui aime le football, tu as souhaité que le football développé dans le pays. La Fédération haïtienne de football, nous connaissons que y a un travail pour comment que yo capable retourner avec championnat ça normal avec 18 clubs, mais le papa cap jouer j'aime ta souhaité hein côté coûte tout 18 clubs capable de jouer match aller retour qui t'a un bel dossier. Malheureusement c'est pas groupe qui a fait la cause insécurité qui a frappé pays à côté qu'on a regardé sur écran ça il y a un groupe B, un groupe A, un groupe B, un groupe C. Dans le groupe A, pour FK, Escapoise, équipe Galo du Cap, là, équipe Récine, Nagina Gonaïve, là, Wanamet, équipe AS Baléan, sans pas oublier dans le groupe BA qui est Tempête, qui est enfin USR, Baltimore, équipe Cosmopolite, là, équipe AKL, là, dans le groupe ANCIA qui est Récine, club haïtien, Violette, América de Caï, Juventus de Caï, Cavalier de Logan, équipe Don Bosco de Pétionville, là, ça, c'est équipe qui est en tout groupe, 18 équipes. Il y a un comité qui là pour comité ça, cap travail sous statut club yo yon statut club pour nous connaître est-ce que club yo capable éligible pour jouer championnat. Nous connaissons que depuis 2015 que la CONCACAF avec la FIFA côté que y a travail pour tout club capable venir professionnel pour tout club capable gagner et ça que vous demandez au niveau des professionnels ça que vous demandez et le minimum les 12 critères minimum que nous songer c'est faut que le club ait un papier qui signe qui dit que c'est tel club côté c'est tel club faut qu'il y ait un comité directoire qui lit pour un de temps faut qu'il y ait un responsable sécurité faut qu'il y ait directement un attaché de presse avec un responsable de presse faut qu'il y ait tout un local qui dit ce côté qu'il a pas entraîné faut qu'il y ait ça yo qui vraiment intéressant faut que joueur yo gagne assurance faut que joueur yo tout yo un contrat qui bien défini déterminé tout ça ça c'est tout cas tout à fait intéressant faut que club la gagne yon local ça veut dire que mes côté ou capable venir tel club si ou avon adresse club ça c'est la caisse c'est côté ou avon adresse club ça gon adresse gon siège social ça tout à fait intéressant faut que club ça tout gen une équipe féminine faut que li gon équipe et jeune tout jeune timoun dans deux sections là est-ce que tout club yo gagne selon sa fédération haïtienne de football dit qui ça ou dit licence 11 clubs éligibles la commission de la licence de club de la fédération haïtienne de football HHF acquise yo dit agisse en adéquation avec la mission du comité de normalisation dans le cadre de la standardisation des clubs de football haïtiens. C'est ça que vous dites. A remis son premier rapport le lundi 15 juin 2024, marquant une étape historique depuis l'implantation de la question licence des clubs en 2015. Après un examen rigoureux des documents soumis par les clubs, la commission a déterminé que 11 des 18 clubs de la première division ont satisfait les critères exigeants la fédération la HHF et sont recommandés pour l'obtention de leur licence. Les clubs suivants ont été mes clubs. Le club qui déjà gagné aussi América de Cali, Association Sportive Kapowski SIAC, Association Sportive de Mibale qui est Mibale, équipe Cavalier de Logana, Don Bosco de Pétionville, équipe FICA, sans pas oublier équipe Juventus de Caïla, Waramet, équipe Real du Caplan, Tempête, équipe Violette là. Ça veut dire que gen gros cause Récine pou la dani équipe Baldi moi Jean Moi la gen pou la dani aka pou la dani en pile club sa yo faut que travail gros cause monsieur pas dit cause vraiment le cap parler là donc ces sélection nationale et féminine mesdames yo moi même toujours dit les que ou information tomber sur zafè football haïtien s'il pas sous la presse haïtienne m pa koui et parler de ça parce que des fois nèg yo besoin faire views nèg yo besoin faire kon besoin tout attention yo toujours à bay en pile information des informations qui pas même vérité pour qui ça me dit ça parce que gagné quelques temps que fédération haïtienne de football m'a dit presse haïtienne était même incité te dit que Haïti a joué match amical dans deux matchs amical qui a un mois ça je dis
joueur pas avancé jusqu'à présent, pas gagne qui dit que match a joué, pas gagne qui dit tout match ou pas joué, mais me sent-il gagne 99% chance pour nous pas avoir gagne Haïti qui joue aucun match après il n'a après il n'a son équipe haïtienne non devant équipe à Porto Rico non barrage gold cup là jusqu'à présent pour que j'aime gagne un match amical qui joué entre sélection ça pour que j'aime gagne qui fait pour match amical pour équipe là. Équipe là la gagne par un pauvre juste avant d'entraîner sérieusement. Il y a un paquet de joueurs qui a annoncé dans la presse haïtienne qui a eu un contrat. Et contrat, je ne pas un contrat ça officiel. Depuis que je n'ai pas un contrat officiel, je ne sais pas. Et je ne sais pas si je rien de ça. Il y a un contrat qu'on nous parle qu'on nous a. Mais catégoriquement, dans l'entra dit, en coulisses, il y a un premier là. Je me félicite aussi, il y a un premier là. Mais moi, j'aime toujours aimer tant de séries bagailles qui officielles que nous parler de ça. Je n'ai pas besoin de faire buzz pour me dire que j'ai telle information, pour me dire que j'ai dit ça un tel. Mais c'est long remet dans prenant la presse haïtienne là Géozin Leroy 5 capable vinn capable retourner équipe net là même Jean tout pour équipe pour l'autre joueuse là qui dans deuxième troisième division capable rejoindre équipe dans deuxième division parlant de Modeline Mouril dans équipe olympique de Marseille là yo pas officiel m'pa ka dire mais jusqu'à présent m'a posé cette question ça fait avec sélection ça rien pas gon match amical faut changer dossier si écoutez bah là comme ça mes amis. Li pas bon, football n'est pas bon. Bon, reconnectez le channel là pour plus d'informations.